Eh bien, salut à tous à Team Zen, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo défi Deadpool. Aujourd'hui, les gars, le premier défi qu'on va faire, eh bien, c'est celui qu'on va avoir sur l'ordinateur où il faudra trouver la bouée de Deadpool. Alors, c'est une bouée bizarre, hein, puisque c'est une bouée flottante avec un design lama rouge et noir. Donc, on va aller voir ça tout de suite chez Deadpool. Je vais vous montrer l'intitulé exact et après on va aller la chercher tout simplement les gars. Donc peut-être qu'il y a des différences aujourd'hui, hein. Peut-être qu'il va pas forcément falloir la trouver dans le menu, il faudra peut-être aller au yacht. Donc je vais vous montrer tout ça. Regardez, tout en bas, trouver la bouée de bain de Deadpool. Donc on va aller chercher d'abord ici dans le menu. Hop, là on ne voit rien. Est-ce que chez Maya on voit quelque chose? Non. Est-ce que maintenant dans les agents on voit quelque chose? Je vais quand même aller à... direct à Sky. Bah il est là, regardez, chez Sky. Bouée de bain de Deadpool, tout en bas à droite. Tout simplement, vous la prenez. Lorsque vous validez, trouvez la bouée de bain de Deadpool. Vous retournez en arrière. Allez bien à nouveau chez Deadpool pour valider ce défi. Et du coup, obtenir le deuxième qui sera normalement d'aller danser sur le yacht. Regardez, danser à la fête de Deadpool sur le yacht pour obtenir justement, regardez, la version tête, on va dire... mutante, donc sans le masque. De toute façon, je vous ai déjà mis une vidéo en ligne, les gars, sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller regarder pour savoir comment faire. Cette vidéo-là, en tout cas, je vous remercie d'être présent, de mettre le code créateur Telmo-Lopez. On se retrouve en live, les gars, là, dans quelques instants, pour choisir un vainqueur pour tous les souscrits de la chaîne de 2000 V-Bucks. Donc c'est parti, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de rester zen. Je vous dis à tout à l'heure demain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.